Chers auditeurs, encore une journée pleine de pluie aujourd'hui, beaucoup d'orages, etc. Visiblement, la région des plaines arides porte très mal son nom, et pourtant, elle commence enfin à montrer des signes de prospérité sous la direction de notre maire, Bill Silverlight. Et d'ailleurs, bonjour à tous, bienvenue sur LingoCraft pour un nouvel épisode de Cities Skylines Mass Transit. Alors, on manque encore d'électricité, c'est fou ça. Je vais devoir finir par... trouver autre chose que des éternelles éoliennes, parce que c'est quand même pas terrible pour l'énergie. Enfin, si, c'est bien, mais ça produit pas beaucoup. L'avantage, c'est que ça coûte pas grand-chose. Et on est comment, d'ailleurs, au niveau budget? Je crois que je l'avais remonté à 100, pourtant. Oh, par contre, tout ça, je l'ai à 12. Je pense que je peux monter à 13. Pas que ça va me rapporter grand-chose au début, mais... là, je suis à combien? Et revenu 6500, quand même. C'est pas mal. Cool, donc je suis globalement à 2000 de revenus pour... tiens, vous voyez que... Voilà. J'ai téléchargé Time Warp parce qu'en effet, on voyait rien. Donc c'est beaucoup plus agréable comme ça. J'ai envie de faire quelques petits changements dès maintenant par ici. Alors, au niveau de la forme, c'est pas parfait, mais je trouve que c'est mieux. J'ai enlevé le petit carré que j'avais là qui était très très moche. C'est pas mal. Là, j'ai fait une liaison comme ça. J'ai laissé pour le coup le feu rouge là. Et j'ai dès maintenant envie... de commencer à réfléchir au train, parce qu'il va y avoir des trains. C'est ça, il faut absolument mettre une gare ferroviaire. Ah oui, c'est vrai que c'est dans le... Ah, mais c'est une des nouvelles gares, ça, c'est vrai. Est-ce que j'ai envie de... Oh là, ah oui, non, c'est genre beaucoup trop grand. Ah ouais, non, c'est beaucoup trop grand. Parce que, en fait, l'idée, c'est que je veux que les rails arrivent ici, mais je pense que c'est tout. Je vais pas les faire venir par là, quoique ça... Ah, y a pas mal de choses à faire par là. Peut-être qu'en fait, je devrais le faire traverser là. Sachant que c'est quoi ça? C'est une route ou des rails? Ah, mais il y a des rails par là! Ah! Ah oui, d'accord! Ok, ok. Et il y en a aussi ici. D'accord, il y en a dans tous les sens en fait. Alors, ça c'est une entrée. Donc, il faut réfléchir aussi en termes d'entrée dans la map. J'en ai donc une là, une là, une là, et j'en ai pas... Si, j'en ai une là aussi, waouh, d'accord. Je vais pas forcément tout relier dans tous les sens, elle, j'ai très envie de la faire poursuivre jusqu'ici, voire jusqu'au bout, et genre rentrer... Ouais, peut-être rentrer par ici, ça serait pas mal. Elle, je sais même pas si je vais la garder. Ou alors, je relie ça par ici, mais ça veut bien dire que quand même, il faudrait un lien quelque part par ici. Alors là, ça va être très simple, mais moi, ce que je pensais faire, c'était avoir des rails qui arrivent ici, avoir une gare centrale là, et basta, c'est tout. Mais peut-être que ça devrait continuer par ici. Est-ce que ce serait possible? Donc, si je mets une gare... je vais pas mettre ça, hein, c'est beaucoup trop gros pour... Ouais, non, c'est beaucoup trop gros. Donc, peut-être juste une gare comme ça, toute simple. Juste en face, ici, ça peut être pas mal. Boum. Ah ouais, non, c'est pas assez... Ah ouais, d'accord. Bon, ça va bloquer ça. C'est embêtant, ça, que ça bloque. Espèce déjà occupée, oui, parce que j'ai une clinique. Ça voudrait dire que tous ces bâtiments-là devraient changer de côté. C'est pas forcément grave. Toi, de toute façon, il me semble que je voulais te changer de place. Parce que 12 000, ça coûte tellement cher. Clinique coûte beaucoup moins cher, au moins. Clinique, bon, on va la mettre là. Boum. Ce qui veut dire que maintenant, je peux... Hop. Voilà. Je veux au moins ça jusqu'à, disons, ici. On verra pour le reste. D'ailleurs, je vais t'éteindre pour le moment. Ok, d'accord. Donc, quand même, le mode Move It, il a une sacrée utilité pour des trucs comme ça. Donc, là, ça me semble pas grave du tout d'avoir ça qui intersecte des petites routes. J'ai un peu peur pour cette route-là, mais je pense que ça va passer vu qu'ici, je n'ai pas de stop ou quoi que ce soit. On verra bien de toute façon. On a du coup pas mal de choses qui voient le jour. Et vous voyez qu'ici c'est de la population. Donc maintenant on est à 2300 et il y a encore pas assez de... Ok, d'accord, donc il faut que je passe à autre chose. Alors il y en a beaucoup qui me disaient centrale hydroélectrique par ici, ce serait cool. Et vous avez raison, j'ai juste peur de l'effet que ça va... Oh ici... Ah par contre là... Ouais non c'est trop... écoutez, vous savez quoi? Testons genre ici... Alors, est-ce que là, je vais pouvoir le faire?
Production estimée 0. Ah ouais, mais non, parce qu'il y a des trucs. Imaginons en fait ce qu'il me faudrait, c'est quelque chose comme ça. Vous voyez, là, ça produit à mort. Donc je ne peux pas le mettre parce qu'il y a des routes et tout. Je pourrais le mettre à partir de là si je veux. Bah, qu'est-ce que ça donnerait à partir de là? 80, t'es sérieux? C'est pas possible. Ah ouais, beaucoup moins là. C'est dommage. Ah. De toute façon, ça coûte trop cher, donc ça arrive à la question. Ça coûte combien? 80 000. Et ça produit 40. Entre 112 et 160. Ouais, ça peut valoir le coup quand même. Si je le mets par ici. Non, là, j'ai rien envie de mettre, là, je pense. Ah, mais non, mais c'est parce que c'est coupé. What? Pourquoi est-ce que ça s'est coupé? Trop bizarre. Ok. Très bien, donc là on a ça où je vais plus ou moins arrêter de m'en occuper en fait. Donc là abandonner parce que pas assez d'employés, mais j'ai des employés qui sont en train d'arriver, qui sont par ailleurs non éduqués, donc ils vont se faire un plaisir de bosser là-bas. D'ailleurs toi si je te mets par ici. Alors là je le garde pour un grand parc, mais peut-être qu'une école en plein milieu du parc ça pourrait être cool. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Et on a pas mal d'usines, etc. Donc là c'est plutôt équilibré. On va pouvoir réfléchir à d'autres choses. Donc ici j'ai ma coulée verte et je pense que je vais profiter du fait que là l'autoroute est levée, que je vais la laisser comme ça, pour avoir une route qui passe de l'autre côté. Ce qui veut dire que ici, je pense que je vais pas mettre de sortie par là. J'essaye d'éviter le syndrome route ville et juste d'avoir un truc un peu plus fonctionnel. Donc voyons voir si ici. Ah bah non, en dessous j'ai l'autoroute. J'ai l'autoroute qui va aller où d'ailleurs du coup? Est-ce que je veux pas une autoroute qui passe en dessous? Attendez. L'idée, ce serait que quand même, là, il y a un lien. Ou est-ce que là, je fais. Là, ça, j'ai pas envie que ce soit un axe principal, je pense, comme ça. C'est juste un axe pour tout ce qu'il y aura dans cette zone-là. Donc, ça veut dire que ça va juste passer en dessous. Et à un endroit ou un autre, il faut que ce soit relié à cette autoroute-là. Peut-être par ici du coup. Ok, vous savez ce qu'on peut faire ici? Je pense que quelque chose qui pourrait être marrant à faire, c'est vraiment un grand rond-point. Ah, il n'y a pas plus grand que ça. C'est dommage. Non. On va le positionner par ici, le rond-point. Alors, voyons voir. On veut qu'il soit bien aligné, donc on va faire ça proprement. Tac. Tac. Alors ça fait 25. C'est bizarre, ça devrait faire que 24 a priori. Parce que là j'ai un bloc, un autre bloc, et entre les deux j'ai 5. Ah mince, j'étais persuadé d'avoir que 4. Parce que ça fait combien? 4. Bah oui, mince. Bon, c'est pas très grave. Hein. Très bien, bon bah j'ai 5 entre les deux. Ce qui veut dire à la limite que j'aurai. Alors. Paf. 5 et 1, 2. Ah non, c'est là que j'ai pas de milieu. Mince. Voilà, regardez. Là, ça donne quelque chose de plutôt fonctionnel déjà. Donc là, on a notre autoroute qui arrive ici. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est. Disons là. On va lentement la faire descendre. Hop. Aussi loin que possible, je pense. Donc là, ça va être. Si on le fait sur. Ouais, 10, c'est pas mal. Hop. Boum, là on est bien. Et là du coup, bon, on l'a fait lier. On va jusqu'où on veut. Hein. Hop, 30 par exemple. Boum, nickel. Et du coup, ça, on le fait aller dans l'autre sens, même si pour l'instant, ça ne servira à rien. Et ça, au contraire, dans ce sens-là. Cool. Donc là, on a cette autoroute-là qui voit le jour. Alors, comment est-ce qu'on a envie de la lier? Alors, on a clairement envie que ça, on puisse descendre, etc. Ah non, ça va pas marcher ça, parce que moi je me dis ça pourrait aussi être très intéressant que ce soit le même accès que pour cette ville-là. Et que du coup on ait quelque chose qui flotte un peu par ici avec. Ouais non, ça va faire trop peut-être. Ça va faire une sortie trop encombrée. Donc peut-être que le mieux c'est de laisser quelque chose comme ça, mais en plus joli. Du coup là on a une sortie qui va par là. Et là, peut-être. Si on a ça, peut-être avoir ici une route. Plutôt qu'une autoroute qui passe par ici. Bon, ça, à la limite, on n'a pas besoin de s'en occuper pour l'instant, c'est pas ce qu'on va faire. Donc, on va continuer. Bah, on va peut-être commencer à s'étendre par là, avec le train.
train. Ouais, peut-être qu'avoir un train dès maintenant, c'est pas forcément une mauvaise idée. Alors, on va du coup faire venir. Hop, ces rails-là. Ah ouais, ok, d'accord. Donc si on l'utilise bien, Move It, il est quand même assez incroyable comme mode. Là, c'était impossible de faire en sorte que ça se chevauche comme il fallait. Et avec Move It, on arrive à faire une intersection qui est pas encore parfaite, mais il suffit de la peaufiner encore un peu plus. Hop. Et on arrive à avoir quelque chose qui est quand même plutôt cool. Ah non, c'est cool, c'est sympa. Alors, du coup, donc là on a notre première. On a la première chose. Donc on a une gare qui pour l'instant est inactive. Combien est-ce que ça coûte? Ça me coûte 960. Ah ouais, non, non, je vais la désactiver. Je suis désolé, j'en veux pas être content, mais ça coûte trop cher pour l'instant. Alors il y a une vague de crime, du coup, en fait, je pense que le budget, on va le remonter sur à peu près tout. Hop. Et au fur et à mesure, hop, voilà. J'ai vu, même avec l'oiseau, il y en a certains qui se plaignaient d'un chat qui avait mis trop longtemps à être soigné, etc., etc. Des trucs comme ça, de toute façon, on n'a pas encore de parc, et le jour où on en mettra, qui va bientôt arriver, je pense, on sera content d'avoir déjà ça à 100, parce qu'on en aura besoin à 100. Les routes, on va le laisser pour l'instant. Cool. Donc là on est bien et vous voyez qu'il y a pas mal de gens qui sont en train d'être upgradés quand même. Donc on a des maisons de plus en plus belles. Oula, wow, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que... Wow! Bon, très bien, je ne sais pas ce que j'ai fait mais c'est super. Ah oui d'accord, donc là... Alors typiquement qu'est-ce qu'il lui faut lui? Éduquer plus d'habitants, ok. Et infrastructure éducative et vous voyez là du coup tout ce qu'il lui faut. C'est surtout l'éducation, globalement. Parce que la valeur du terrain a l'air étonnamment haute. Je vais vérifier ça. Ici. Valeur foncière, elle, pas... Ouais, elle est moyenne. Elle est moyenne et je sais pas pourquoi elle est particulièrement haute. Ah bah oui! Parce que c'est surtout les bâtiments en eux-mêmes qui... C'est les bâtiments qui encouragent ça. Après, je sais pas pourquoi eux sont si hauts que ça. Peut-être qu'ils sont juste mieux placés. Très bien. Alors, il leur faut plus d'employés instruits. Donc, comment on est niveau éducation? C'est pas... D'accord, on n'est pas assez dispo. Il n'y a pas assez d'électricité. Ok, donc là, je vais devoir commencer à prendre un prêt en plus. Oh non, je voulais pas prendre de prêt. Eh ben, on va carrément y aller avec celui-là, 60 000. Hop, un petit parc qu'on va mettre juste là. C'est très agréable. Voilà, un petit centre-ville. Ici, je veux mettre un grand parc, mais on n'y est pas encore. Est-ce que ça vaut le coup de mettre un collège? Éligible 796. Ah bah ouais, ça vaut carrément le coup. Alors si je le mets dans le centre-ville là, ça va couvrir, ça va tout couvrir. Juste où est-ce que je le mets? Peut-être là où j'ai mis le parc, ouais, c'est parfait. Non, tiens, si je le mets là, c'est pas mal. Boum. Voilà, en plus comme ça là, on a un bon buffer entre là ah non, ça c'est du résidentiel. Ah, mais c'est pas mal là alors. On va être bien et on... Oh! What? Oh merde. Alors, j'ai un tsunami. Comment est-ce qu'on gère ça? Unité catastrophe pour commencer. Les hélicoptères pour aider à déblayer les gravats. Merci. Oh, t'es sérieux? Non. Alors, il aurait fallu que je mette une balise d'alerte. Je n'ai pas encore de petit abri. C'est pour combien ça? 1000 personnes et ça, c'est pour 10 000. Donc, en fait, à terme, même là, il me faudrait un grand abri. What? Comment je fais pour lutter contre tout ça, en fait? Je pense que c'est ça, hein. 15 000. Mais je vais pas le mettre dans cette ville-là. C'est ridicule. Ce sera dans une plus grosse ville. Écoutez, pour l'instant, je vais vous mettre un petit bunker. Si vous n'êtes pas content, je suis désolé, je fais de mon mieux. On va le mettre juste là. What? Comment je fais pour rentrer dedans, évacuer? Ah oui, non, d'abord, il faut attendre que tout ça monte, je sais pas. Bon, évacuer. Je sais pas si je suis censé avoir du coup des antennes ou des trucs, des haut-parleurs. C'est quoi ça les antennes radio? Ah, diffuser le message d'urgence, d'accord.
Capteur sismique, ouais. Donc là, évacuer. Ok, donc on commence à en avoir qui sont évacués. Mais là-bas, ça m'intéresse pas. C'est ici que je veux évacuer. Attends, c'est bon, on est déjà bon. T'es sérieux. Rentrez chez vous. Faire sortir les habitants. Ok, alors toi, du coup, je vais t'éteindre pour l'instant. Donc c'est quoi ça? Supprimer la route d'évacuation. Ah oui, bah oui, à terme, il faudra que je fasse des... Donc ça, c'est des bus qui peuvent se balader. Bon, donc ça, ça a servi absolument à rien. Mais du coup, le tsunami est... Ah, presque passé. Il est quand même un petit peu là. Ok, bon. Un peu anticlimatique. Hein. Moi, je me suis dit, oh, tsunami, c'est ouf. Et puis bon, bah, d'accord. Ok, bon, je vais juste continuer un petit peu. Putain, c'est chiant quand même, la vitesse à laquelle la journée passe. On va se mettre, hop, plus d'industrie, mais également plus, hop, voilà. Et je me demande si je vais pas mettre plus de bâtiments là, quoique on est déjà au bord de la ville. Je sais pas trop où je devrais vraiment mettre plus des bâtiments. Parce que j'aime bien avoir un centre-ville quand même construit comme ça, et ce qui actuellement n'est pas le cas. D'ailleurs, là, ça manque d'accès. Tout ça, il n'y a que ces accès-là. Il me faudrait un accès peut-être là, à la limite. Ouais, je vais faire ça. Hop. Boum. Avec, évidemment, pas hop, de feu rouge. Nickel. Ok, donc là, ils vont avoir tout ce dont ils ont besoin. J'ai pas beaucoup d'argent. Quelqu'un m'avait dit, ouais, ça va te faire bizarre de jouer sans limiter. Je veux, bah non, mais pas du tout. Bah en fait, si, si, ça me fait bizarre. Ça me fait très bizarre. D'ailleurs, il n'y a pas moyen de voir les voitures, c'est où? Hop, ah si. Ok, donc, là, il y a beaucoup de gens qui attendent, mais je comprends pas pourquoi. Ah, c'est juste qu'ils ralentissent avant d'arriver là, je pense que c'est tout. Mais sinon, ça circule vachement bien. Là, ça circule bien. Ok, parce que globalement, ça va pas beaucoup, beaucoup plus s'étendre par rapport à ce que c'est maintenant. Il va juste y avoir plus d'industrie par ici. Plus de services aussi, il faut que j'en mette. Ça, je sais pas encore ce que ça va être. Là, j'aimerais bien, limite, que tout ça, ce soit un espace, ce soit un énorme interchange. Mais je sais pas encore si ça vaut le coup. Je pense que ça va être un peu surchargé si je fais tout ça un échangeur. Mais c'est tentant, c'est très tentant. Et puis on verra, après, je suis pas obligé de tout remplir. Est-ce que j'ai envie de remplir plutôt cette zone-là après ou celle-là? J'ai très envie de faire une zone balnéaire par là. Après, le problème avec ça, c'est qu'il faut les acheter ces zones-là, alors que celles-là, je les ai déjà. Peut-être qu'on va plutôt se concentrer là-dessus, mais ça veut dire que j'ai mon échangeur, que je ne suis pas encore tout à fait prêt à faire. Bon, bah la zone riche là-haut, à la limite. Hop, pour ça, on va acheter ça. 30 000. Ah non, j'ai rien dit. Waouh! Alors, je vais faire un petit test différent avec, hop, quelques... Oula! Ah d'accord. Voilà. Je pense que c'est important d'avoir un petit peu de marchandises dans ce coin-là. T'es sérieux là? Ah ouais, non, d'accord. Oh, t'es sérieux, je peux pas annuler ça? Ah ouais, d'accord, génial. Donc ça me coûte une blinde juste pour une minuscule erreur, abusé. Voilà, bon, déjà je commence à... Voilà, c'est un peu moche, mais on va faire... Ah mais non, là du coup, il faut que je fasse quelque chose de gentil, parce que l'idée, c'est ici de mettre... genre peut-être comme ça. Ouais, c'est peut-être un peu proche, quoique. Hop. Et là, du coup, je vais le faire venir ici. Alors voilà. Déjà, voilà ce que j'ai fait ici. J'ai changé un petit peu ce que j'avais fait. Hop, hop. Pour que ça se soit plus long. Déjà, ça c'est très important. Parce que sinon, j'ai peur que les trains passent par ici et c'est pas du tout ça que je veux. Alors que ici, du coup, on va faire tac. Oh non, ça va. Je m'attendais à ce que ce soit un peu plus violent, mais ça va. Et du coup, ça, on le fait passer genre comme ça. Et comme ça. Alors, à quoi ça ressemble? C'est pas trop moche, ça passe. Et maintenant, du coup, on a un terminal de train de marchandises. C'est pas idéal comme placement ou autre, mais c'est pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai envie de faire d'autre? Je pense que... Oh. Ah oui d'accord. Tout ça c'est encombré par les restes du tsunami. Très bien. Alors ça déjà je vais le mettre proche du bord.
Et c'est en train de se barrer, donc c'est pas grave. Et du coup, ici, je vais peut-être mettre quelque chose le long des rails. Voilà, ça va être sympa pour pouvoir, hop, le ramener jusqu'à la ville. Et partager un peu, mutualiser un peu l'énergie, parce que c'est ridicule, je produis vraiment beaucoup, mais c'est isolé. Hey, regardez ce que ça donne, ça. Est-ce que... parfaitement aligné, mais... Oh, quoique, si, j'aime bien ça. Donc là, on met un parc ici. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe si je supprime ça? Est-ce que lui, il se retrouve sans rien? Non, ça marche parce qu'il a toujours un petit chemin, là. Donc là, on a mis un petit chemin ici. Je peux rajouter, si je me souviens comment faire, des parcs. Où est-ce qu'ils sont? Ah, ils sont là, les parcs. Oh, mais il y a plein de trucs, là. Chemin. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait des pierres, il y a les digues. Ah oui, je peux moi-même lancer des trucs. Ouais, mais je suis pas taré non plus. On a des arbres. Ah, je vais oublier les arbres. Oh! Ah, mais attends, tu rigoles, ça veut dire que ça, j'ai potentiellement pas besoin d'avoir... Oh! Oh! What? Oh, ça m'encourage à faire des chemins, c'est trop bien. Oh, ouais, non, je vais... Oh, c'est tellement mieux, ça. Bah, pourquoi? Mais non, si, ça, par contre... Bah, me dis pas que c'est occupé alors que... Oh. Ouais, c'est pas... Bah, c'est trop bizarre. Je suis pas fan du coup du système. Hein. Ça, on a l'impression que c'est bien, mais en fait pas du tout. Il va falloir que je me souvienne plus, si vous vous souvenez d'ailleurs du nom, je vais finir par remettre le mode qui permet de superposer les objets comme on veut. Parce que sans vouloir aller trop loin, comme j'ai... Enfin, forcément trop loin ce que j'ai fait avant, mais avant j'adorais mettre plein de détails. Sans faire ça, il y a quand même un, je dirais, un juste milieu et bon. Pour l'instant, on en est loin. Bon, j'en ai des trains de marchandises qui passent ou pas du tout? J'ai l'impression que pas du tout, ce qui veut dire que tout ça, pour l'instant, a servi à rien. Ouais, on dirait, hein. Génial. Bon, on verra plus tard. Pour l'heure, hop, j'ai quand même envie de continuer ma coulée verte ici. On fait un truc pas trop trop, hop, pas trop trop droit, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Jusque là environ, ensuite on tourne là, et on arrive sur quelque chose comme ça. Ok, déjà, donc là ça nous fait une coulée verte qui, voilà, sans plus, mais elle est sympa. Hop, voilà, juste à la fin il va falloir que je passe l'argent. T'es sérieux? Oh, what? Je vous propose une ellipse massive, parce que je regardais où j'en suis niveau budget. Je sais pas comment j'ai fait mon coup, mais ouais, j'ai besoin d'argent, quoi. Vraiment, vraiment besoin d'argent, là. Alors, pendant ce temps-là, j'ai décidé d'activer plusieurs politiques. Alors déjà, réduire la consommation d'énergie et d'eau, ça me coûte un tout petit quelque chose, mais... ah oui, non, ça me coûte un énorme quelque chose. J'ai rien dit. Tiens, on va laisser l'énergie pour voir ce que ça donne. Oh, j'étais en positif. J'étais à 5000, hein. Ah ouais, et du coup, ça va être quoi? C'est les politiques, là, ça va noter... 4000, t'es sérieux? Ah ouais, d'accord, donc c'est surtout, j'ai l'impression qu'il y a... Donc si j'enlève, tiens, juste ça pour voir, je vais remonter, c'est ça? Ok, d'accord, donc je vais recommencer. J'ai activé quelques politiques, mais certainement pas celle-là. Donc tant pis pour les deux consommations. On a recyclage, donc un petit peu moins de déchets. D'ailleurs, j'ai un truc pour m'occuper des déchets. Ah oui, j'ai la décharge ici. Très bien, j'ai la priorité aux hélicoptères, ça sert à rien pour l'instant parce que j'en ai pas, mais comme ça ce sera fait. Et en condition sortante, j'ai juste renforcé le vélo. Ça veut dire que ce sera un peu moins encombré, mais bon, a priori. 66% rempli déjà. What? Donc ça veut dire qu'il va falloir un petit gars comme ça qu'on va poser genre là. Non, ici ça sera beaucoup mieux. Boum. Voilà, comme ça, très bien. On a quelques camions poubelles en plus. À part ça, bon bah vous voyez que ça monte tranquillement, mais ça prend son temps. On va rajouter, tiens, ça me demande des usines. Je suis assez surpris, mais admettons. Quoi que vous me direz, ma population n'est pas éduquée, c'est ce qui pose problème dans beaucoup de cas. Et à mon avis, ça ne m'étonne pas qu'ils veuillent travailler à l'usine. Hop. De toute façon, c'est pas le but de cette ville, de faire quelque chose de très éduqué ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, je pense que ça, on va le laisser pour plus tard, mais dans cet épisode, on va finir globalement cette ville-là et voir dans les prochains commencer à s'intéresser à d'autres
à d'autres villes. Alors également ça, je trouve que c'est bien d'avoir des arbres partout, mais c'est pas réaliste. Hop. Donc je vais juste mettre les axes principaux et le reste je vais mettre de l'herbe. Alors ce que ça fait, évidemment je peux pas le faire partout, mais c'est pas grave. Ce que ça fait, c'est que on a, ça réduit pas le bruit. Ça me dérange pas plus que ça, je vais être honnête. Ça je peux pas non plus, ça non plus. On verra plus tard si on le fait. Ça, bah non, si techniquement celui-là, voilà, il a des arbres. Celui-là, non, et ainsi de suite. Alors là, j'ai rajouté un petit pont comme ça qui est un peu moche, je dois l'admettre. On va voir ce que. Oh ouais, il commence direct à être utilisé. Parce que je me disais, c'est dommage, je vais pas pouvoir faire passer un pont. Et en fait, si je peux, si je le fais passer ici. Et oui, clairement, direct, il est bien utilisé. Alors je ne sais. Ah, si, j'allais dire, est-ce que les vélos peuvent l'utiliser? Et oui, ils peuvent. Donc j'ai pas besoin de faire un truc séparé. Alors il est un peu tarabiscoté. Bah oui, d'ailleurs. Non, mais non, ce que je vais faire plutôt que ça, c'est. Hop, on va simplement le baisser juste là. Voilà, beaucoup mieux déjà quand c'est une ligne droite. Et puis, bah, du coup, pour remplir ça. Bah non, vous savez quoi, pour l'instant, je vais pas rajouter de bâtiments là. Bon, quoique. Écoutez, on les met. Si jamais on doit les détruire plus tard, c'est pas très grave. Hop. Ah, ça commence à ressembler à quelque chose? Vaguement? Hop, si seulement ça voulait bien arrêter d'être la nuit tout le temps. D'ailleurs, en vrai, je vais finir par le désactiver. Je crois qu'il y a moyen dans les options. Gameplay. Voilà. Ouais. Bon, je vais le laisser pour l'instant, j'aime bien, mais c'est un peu fatigant. Parce que j'ai bien vu vos messages et je suis d'accord qu'on voit vraiment pas grand-chose pendant la nuit. Oh yes, ça c'est super d'avoir ça. Personne ne va jusqu'à la gare pour l'instant, mais en même temps, elle sert pas à grand-chose. J'en mettrai une par la suite. Mais on a dépassé les 5000 habitants, on se fait pas mal d'argent. Je vais même bientôt. Alors, je sais pas si ça vaut le coup de repayer mon prêt en vrai. Parce que si je le paye, j'aurai plus d'argent. Donc, je pense autant garder le prêt et juste utiliser l'argent pour faire autre chose. Et du coup, je vous propose qu'on s'arrête là pour cet épisode. On a pas mal avancé, hein. Non seulement on est bah, quasiment à 6000 habitants quand même, on a un quartier industriel qui prend sacrément forme, on a tout globalement les infrastructures qui commencent à voir le jour. Là, ça va, j'ai assez. Je pense que éducation, il va falloir que je m'y réintéresse parce que là, clairement. Oh, là, je suis bien par contre. Et oh! Ah, bah, je pense que c'est bon, c'est juste qu'il y a de plus en plus de personnes qui, ça y est, sont instruites, voire bien instruites, et donc du coup il y a moins de gros rush. Et pour le reste, bon, bah, il va vraiment être temps qu'on s'intéresse de plus près au transport en commun. Et bah, dès le début du prochain épisode, je pense qu'on va faire enfin cet énorme échangeur qu'on va faire, qui aura sans doute 6 branches en tout, notamment parce que vous voyez que clairement là, là ça suit pas, hein, c'est pas bon. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas, regardez, je vous mets même ça voilà, depuis le haut. Si jamais vous voulez me faire des screens, vous pouvez me les envoyer sur Twitter ou par mail, contact@languagecraft.tv. Moi je pensais à une sorte de 8, enfin deux cercles qui sont liés. Et qui permettrait d'accéder à peu près partout, qui passe au-dessus cette autoroute-là. Je pense que ça peut être très sympa. En tout cas, d'ici le prochain épisode, je vais sans doute beaucoup laisser tourner la partie parce que là, vous voyez que j'ai de l'argent, mais je galère pour pouvoir faire ce que je veux avec. Et c'est pour ça que j'ai dû arrêter quelques projets, bah, tout simplement parce que j'avais pas d'argent pour les faire. Donc ça ne va pas du tout. Il va falloir remédier à cette situation-là dès le prochain épisode. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve très très bientôt pour l'épisode 4 de Cities Skylines. Bye bye.